suis d'accord. Je suis encore un peu fatiguée. Non, réveille-toi. On est quel jour aujourd'hui? Quel jour? Qu'est-ce que ça veut dire? Hier, on était quel jour? On était au 13. Aujourd'hui, c'est le 14. La Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Tu m'as fait un cadeau. C'est la Saint-Valentin. Est-ce que tu es obligé de le faire? Mais c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, ouvre ton cadeau. Merci mon amour. Waouh! Une montre en or. Fais-moi un bisou. Si tu n'avais pas hésité, il aurait fallu t'écrire. Ma petite plume. Ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas avec les paroles. Moi, pour moi, mon cadeau. C'est ton cadeau? Oui. Mais le problème, c'est que hier au bureau, il y a d'abord une réunion. Après... Donc, si je comprends, mais je n'ai pas de cadeau. Non, pas que tu n'as pas de cadeau. En fait, tu as un cadeau, mais qui n'est pas encore là. Bon, mais il se passe que je vais au bureau, j'ai 1 heure de service, et après, je t'apporte ton cadeau, ton immense cadeau. Tu es sûr? Je te promets, chérie, 1 heure. 1 heure? Oui, je suis ici à 10 heures. Ok, d'accord. Ton d'accord là n'a pas l'air d'être d'accord. Si tu es d'accord, fais-moi un bisou. Papa. S'il te plaît, ma petite pluie, fais-moi un bisou. Promis, juré. À tout à l'heure. Il faut que je m'apprête. Tu ne vas jamais arrêter de me surprendre. C'est ça qu'on appelle une vraie femme. Mon bébé, mon cœur, mon amour. Ne touche pas. Tu fais quoi ici? Bébé, mon cœur, mon amour. Ne me touche pas. Je t'ai dit que ma femme c'est une bête sauvage. Elle peut te tuer, me tuer. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi devant ma barrière? Viens dans mes bras s'il te plaît. Je ne peux pas venir dans tes bras. Oh, viens. Écoute. Tu fais un mois. Tu ne m'écris pas. Et je t'écris. Tu ne me réponds pas. Je t'appelle. Tu ne décroches pas à mes appels. Tu ne décroches pas à mes appels. Et tu me demandes ce que j'ai fait chez toi en 14 février. Doucement, doucement. Tu es devant ma maison. Devant ma maison. Mon épouse peut sortir à tout moment. Je t'ai dit que ma femme me contrôlait comme le FBI. Elle est sur mon téléphone. Si je ne prends pas ça, je ne suis pas dans les propositions de pouvoir te prendre. Je ne peux pas te prendre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ok. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? D'accord. Oui, c'est le 14 février, chérie, et... Tu ne peux pas me toucher, tu es devant ma barrière. Viens, ce n'est pas bon, ce n'est pas le bon endroit. Et si tu veux un cadeau, écoute-moi, je te donne l'argent, tu achètes ce que tu veux. Écoute, prends l'argent. Mais arrête tes conneries, là. Je sais que je voulais ton argent. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas tes cadeaux, je ne veux rien de toi. Tout ce que je veux, chérie, aujourd'hui, c'est le 14 février, et je voudrais passer mon 14 février avec mon cœur. Avec mon bébé. Et du coup, pour être précis, je veux que tu me fasses l'amour. Ton problème, c'est qu'il faut que je te fasse l'amour. Oui, je veux que tu me fasses l'amour. Quand j'aurai fini de faire l'amour, tu vas me laisser en paix. Promis. Tu vas arrêter de m'embêter, c'est ça? Promis. Tu es très dangereuse pour moi. Je t'avais prévenu que je t'ai mariée. Tu ne peux pas venir ici. Fallait assumer donc pendant un mois, tu m'as laissé. Et tu... Ok. Tu vas faire l'amour? Oui. C'est ça? Oui. Viens, on va aller faire l'amour. Quitte ici, viens. Alors dis-moi bébé, est-ce que tu as aimé? Si je dis seulement avec ma bouche, ça ne va pas symboliser ce que je ressens dans ma tête chérie. C'était trop bon. Oh, ça me fait plaisir d'entendre ça. Après, il va falloir que je te supplie, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse le faire de temps en temps. Et plutôt qu'en temps de le faire, c'est toi qui gémis plus que moi. Non, mais je t'ai expliqué que le problème, c'est ma femme. Ma femme que tu vois là, c'est un demi-diable. C'est-à-dire que c'est un diable à moitié, ma femme que tu vois là. Je crois qu'elle aurait pu être bouchée. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Mais trop moins d'eau, s'il te plaît. Mes choses. Mes affaires. Ouais. Ou toi tu étais où depuis, ou je ne sais pas. Ou toi tu étais, si tu étais là depuis, je ne me serais pas engagé avec un gâteau. Mais maintenant on est obligé de voler. On est obligé de jongler comme ça, sinon gars, tu vas me tuer. Oh. Je dis, quand tu es libre, les filles ne sont jamais là. C'est quand tu es occupé qu'elles se présentent. Tiens chérie, combien tu voudrais que je te fasse boire? Attends, pourquoi tu m'apportes de l'eau plutôt dans une tasse? Désolée chérie, c'est le seul truc que j'ai trouvé à la réception. Ça va? Je savais ce que j'ai mis dans ce verre. Bonne nuit chérie. Il est quelle heure? Je suis encore ici. Bébé, regarde un peu l'heure, C'est quoi? Pourquoi tu cries à 2 h du matin? Il est 2 h. Il n'est que 2 h, bébé, couche-toi. Cherche ta maison du deuil, tu m'as tué. Regarde, tu vas me tuer, je suis mort. Mais bébé, il n'est que 2 h. Sauf ta maison du deuil, je suis mort. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Le Dieu de son banquet, inspirez-moi, donnez-moi la sagesse pour un seul moment. Qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'elle me laisse la vie sauve? Je peux lui dire quoi? Quel est le mensonge que je peux inventer? Je peux par exemple lui dire que j'ai été victime d'accident. Il m'a dit qu'il n'y a pas de blessure sur moi. Je peux lui dire quoi? Je lui dis que je suis allé nager à la piscine. Puis, j'ai été noyé dans l'eau. Elle m'a dit que mes habits sont secs. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'on m'a raflé. J'ai mon téléphone. Elle m'a dit que pourquoi je ne l'ai pas appelé. Je vais lui dire que j'ai été victime d'accident. Mais mes ancêtres m'ont gardé. Ils m'ont protégé. Tu ne dors pas. Bé, tu es éveillé. Tu es éveillé, bé. Bébé. Bébé, c'est Dieu qui est fort. Bé, c'est le Dieu de mes ancêtres. Ce sont les prières que tu fais tous les jours ici, là, qui m'ont gardé. Bébé, Béo. Bé, j'ai fait l'accident. Je te jure que ce n'était pas tes prières, j'allais mourir, bé. Bé, il y a d'abord une moto qui m'a percuté. Une autre moto m'a persécuté. Une autre moto m'a renversé. Le camion venait en face. Bé, je te jure que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de son banquet, c'est lui qui nous a protégés. Black Oya. Je vais mourir, bé. Ce sont les prières que tu fais chaque jour ici à 2 h, 3 h, 4 h qui m'ont sauvé la vie. Il y a un adage qui dit chez nous que quand une femme se fâche et elle parle la langue, c'est que c'est gâté. Black Oyalométis. Il y a aussi un proverbe de chez moi qui dit que nos Kenyans manquent capté. Les histoires ne laissent pas l'homme pour faire le morceau de bois. Tu comprends? Black Oya, tu viens de me dire que tu as fait un accident, non? J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Ton Dieu que tu pries est fort. Ton Dieu que tu pries est fort. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi tu n'es pas mort, Black? Il fallait que le camion, tu as dit le camion mais la moto, il fallait que ça t'écrase des testicules que tu traînes partout là. Pourquoi tu n'es pas mort? Le gâteau. Il fallait que tu me tues. Oui. Tu veux me tuer. Il fallait mourir. Gâteau, tu veux me tuer pour garder ma pension. Tu sors d'où? Tu veux me tuer pour garder mon salaire. Comme tu sais que chez nous, il y a la pension après la mort. Tu me tues pour garder ça. Gâteau, tu ne me tueras pas, hein? Gâteau, au nom de Jésus-Christ, tu ne me tueras pas. Tu comprends? Je vois tout ça depuis. Tu veux être une veuve joyeuse, heureuse. Tu manques. Le Dieu de mes ancêtres est fort. Black Oya, ta folie que tu fais là, moi, je prends ça, je mâche ça. Tu as compris, non? Je fais la folie là par 10. Tu n'es pas plus fou que moi. Donc, tu vas me prendre pour une idiote. Depuis le matin, je suis assise dans la maison. J'ai fait des choses pour le bon monsieur après avoir reçu son cadeau. Je suis l'enfant du fou, Black. Je suis l'enfant du fou. Et tu vas manger la nourriture que je me suis écorchée pour préparer pour toi. Je ne suis pas la veuve. Je suis pas ta ménagère, monsieur. Tu as compris, non? Hey, Black Oya. Un cadeau de février, tu m'abandonnes dans la maison, tu partiras en cadeau, ça. 10h du matin. Et tu sors la gueule. Black Oya, c'est fini. Le mariage ici, là, c'était bon. Béni, aucun complot sans histoire. C'est bon. Béda. Je rentre chez nous. Béda. Quand je pensais qu'on m'avait prévenu, épousé par la bouteille à gaz, c'est si j'ai insisté. Oui. Hey. Oui. Moi-même, j'avais trop forcé pour épouser la banane pour que tu es. Gâteau. Gâteau. Kito. C'est qui comment? Ah bon? Donc, comme tu sais que je rentre tard, tu fais tes programmes que vers 2h. Ngacho, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour celui qui va tuer le voleur. Ah bon? Je vais l'égorger. Donc c'est la personne qui connaît, c'est pour moi. Attends. Ne tente même pas de bouger là où tu es placé là. Reste là-bas. C'est qui? Black Oya, tu as oublié ton téléphone à l'hôtel. Demande le maire. Ok. Quel romantisme. La chérie vient apporter le cadeau de son chéri. Ils ont fait jusqu'à oublier les téléphones. Ça y est que c'était chaud là-bas. Jusqu'à oublier les téléphones. Bon, comme ta vie ne te plaît pas et que toi-même, tu as cherché ta propre mort. Donc comme toi, tu as traversé tous les agresseurs de Mimboman. C'est ici là que tu es venu pour me trouver. Hein? C'est ici que tu es venu pour me trouver. Je suis mon gars. Encore le tipsy. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Ambiana en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Ringstrasse 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, Ambiana en Luxus ne fait pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avaient système d'alarme naturelle. Ils font dans ça. Non! Ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguistes arrivent ici, là. Rien que le deux pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout t'expliquer au téléphone. Je ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon, tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana & Luxus est située du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana & Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana & Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana & Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana & Luxus. Et il voulait savoir me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat, alias Black Oyalométis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.